Et bonjour à tous, c'est Mamie Twink et je suis en compagnie de Zekaria pour une nouvelle vidéo sur Légion. Tout à fait, l'alpha vient de revenir et on va pouvoir explorer de nouveaux domaines de classe ensemble. Exactement, on a 4 nouveaux domaines qui nous attendent, donc je te propose de partir tout de suite en jeu, c'est les parti. Explorer. Les amis, on va commencer par le domaine de classe des druides le plus abouti selon nous et plus vaste également. C'est clair, il est vraiment immense les amis, alors on commence seulement, on va pas tout vous montrer, parce que franchement, pour tout vous montrer, il en faut bien pour un quart d'heure, 20 minutes. Il est vraiment big, vous pourrez le découvrir par vous-même, vous allez kiffer, il y avait un portail qui mène vers le rêve d'Emeraude. Alors on n'a pas trop réussi à trouver ce qui se cachait derrière ce rêve d'Emeraude, sûrement des quêtes. Je vous rappelle qu'on est en alpha, donc il y a déjà des PNJ, il y a déjà de la vie. Les petits PNJ qui sont en train de boire un coup, en train de se détendre tranquillement. On a même Luizel, le héros de Heroes of the Storm qui fait un petit featuring dans la Sylve Rêve, donc la zone de classe du druide. Alors c'est situé dans Valshara, c'est une nouvelle zone des îles brisées, ça ressemble un petit peu au Mont Ijal, voire beaucoup même par endroit, et le domaine de classe des druides qui est vraiment super abouti, beaucoup de détails, beaucoup de vie déjà, vous allez voir avec d'autres domaines de classe, c'est parfois le jour et la nuit, puisque certains sont moins aboutis que d'autres, on y retrouve eh bien ici tous les éléments nécessaires, on a même des souterrains qui vont très loin un en profondeur. Un peu comme, tu sais, les souterrains des Grungle en Gangrebois ou des trucs comme ça. Donc vraiment, ça va très loin sous la terre. Il y a plein de petits trucs super sympas. Ça, c'est pour installer ton monument. D'accord, j'en avais pas vu dans les autres. Je me demande si ça va être phasé ou alors si c'est peut-être un reliquat du développement, on ne sait pas. Donc voilà, une région très très belle, une atmosphère, comme tu l'as dit, qui fait beaucoup penser à Ijal, qui fait vraiment penser aussi un petit peu à Teldrassil, la zone de départ des elfes de la nuit. Exactement. Tu sais, avec cette ambiance un peu violette dans la forêt, etc. Vraiment, c'est magnifique. C'est sublime, sublime, sublime. Petite statue des formes de druides, on a ici... Forme de druides qu'on pourra d'ailleurs personnaliser en fonction de notre arme prodigieuse. Arme Exactement. Prodigieuse qu'on retrouve juste ici. On a quelques exemples d'armes prodigieuses ici avec leurs différentes formes, évolutions. C'est vraiment très très beau. On voit la végétation qui reprend de nouveaux éléments de Légion. C'est très joli, c'est vivant. C'est vraiment le domaine de classe le plus abouti jusqu'à présent. Ici, on a l'hôtel pour venir améliorer notre artefact, progresser dans l'arbre de talent, dépenser des ressources. C'est vraiment très joli. C'est très abouti. On va terminer par peut-être une petite pièce pour vous montrer l'intérieur des bâtiments qui est lui aussi réussi. Hein. Franchement, très très beau. C'est de tous les domaines de classe qu'on a visités, on en a visité 8 pour le moment. C'est vraiment le plus abouti. Voilà. Alors, il est très beau, il est très travaillé. J'espère que les autres vont arriver à ce niveau parce qu'à ce moment-là, ce sera vraiment super super chouette. Et donc, on arrive à l'intérieur d'un bâtiment et là, on s'y sent bien, c'est cosy, c'est très sympa. On voit qu'il y a des nouveaux modèles, tu sais, qui sont utilisés pour le développement de Légion. Comme c'est dans la même région, c'est Valshara, ils ont pu en profiter et donc la région, la zone est vraiment belle. Exactement. Allez, on va passer au domaine de classe des guerriers. En avant. On est à la salle des valeureux, le domaine de classe des guerriers qui reprend quasi goutte pour goutte le thème de Valgard. Asgard. Asgard, le paradis dans la mythologie scandinave. Exactement. Si vous êtes fan de mythologie scandinave, bienvenue au Valhalla, les amis. C'est très stylé. On est vraiment dans l'ambiance guerrier. On est dans une espèce de cité flottante qui est dans le ciel au-dessus de Thornheim, la zone où il y a tous les Vricules. On la voit, cette zone de guerriers qui est peuplée de Valkyres, de Vricules. On voit les statues et de demi-dieux et de dieux. Et alors, il me semble que dans les quêtes, donc ils sont bienveillants, hein, ces dieux, mais ils ne peuvent pas interagir en Azeroth parce qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir de Thornheim. Je sais qu'il y a un donjon dans lequel on affrontera plusieurs dieux de la mythologie scandinave, genre Fenrir, le dieu loup, Odin même apparemment. Odin qu'on retrouve ici. Voilà. Donc, on a gagné de la puissance d'artefact, super, génial. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Peut-être j'avais un objet sur moi et tu sais, quand tu déclenches le truc, oui, ça c'est oui, effectivement, peut-être. En tout cas, voilà, donc on a la petite forge pour améliorer
notre équipement. Les amis, cette zone est très vide pour l'instant. Oui. On peut le déplorer, mais espérons que ça s'améliore au fur et à mesure. On voit quand même quelques véhicules à la peau métallique, donc qui sont extrêmement classe, des titans. Enfin, tout comme les titans qui avaient la peau de métal. Et là, au loin, qui voit-on glorieux sur son trône et qui se fait grave chier. J'ai nommé Odin. Exactement. Le seigneur Odin. Le seigneur Odin qui attend, je pense, tout comme vous, l'ouverture de Légion. Donnez-moi une clé bêta. Exactement, il s'embête ici. Et donc ici, on a une salle de festin, puisque Zeka, tu me l'expliquais, dans le paradis des guerriers, dans la mythologie... Chez les vikings. Scandinaves, on festoie une c'est fois ça. Qu'on vient au paradis. En fait, les guerriers qui étaient morts au combat et transportés au Valhalla par des valkyries, enfin des valkyries, les valkyries, étaient invités à se battre toute la journée pour protéger le Valhalla, et le soir, ils se faisaient tous ressusciter une nouvelle fois, et ils faisaient la fête avec les dieux autour d'un banquet dans les salles, dans une salle comme celle-ci. D'où, eh bien, toutes ces tables, ces chaises. C'est une nouvelle fois vide, hein, ça manque cruellement de PNJ pour le moment à cet endroit, mais ça ne saurait tarder à évoluer, je pense que... J'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Oui, voilà, je pense qu'à la sortie de Légion, on aura beaucoup plus de vie ici, beaucoup plus de PNJ, beaucoup plus d'animation. On va vous montrer la dernière salle du domaine de classe des guerriers, l'arène de la gloire. C'est une arène dans laquelle on pourra sans doute faire des duels ou peut-être participer à des quêtes hebdomadaires. Hein. Pourquoi pas ? Qui sait ? La voici, la voilà, l'arène ici au milieu. Le cercle de gloire. Voilà, il s'appelle comme ça. Et voilà les amis, donc pour le domaine de classe guerrier, maintenant je vous propose de changer d'environnement et de se diriger vers le temple de Karabor pour le domaine de classe du prêtre. On est au temple de la lumière du néant, le domaine de classe des prêtres. Et c'est vraiment très très beau. Ouais, c'est clairement beau. J'aime ambiance, beaucoup. Ambiance temple de Renei, Oshindun, tout ça, tout ça. Les prêtres sont divisés entre la lumière et l'ombre, et il est normal qu'il y ait une salle de la lumière et une salle de l'ombre. On va vous y emmener. Je tiens juste à préciser qu'il y a ici un PNJ dont le nom peut vous être familier, Kalia Menethil. Il s'agit en fait de la sœur d'Arthas, le roi Lich. Voilà, ça c'est le petit cadeau. Et apparemment, elle est devenue prêtre, et on va apparemment avoir affaire à elle avec des quêtes. Et l'autre PNJ, si je ne me trompe pas, alors je ne sais pas si tu peux avoir son nom, mais c'est Alonsus Faol, c'est un évêque très important, fondateur d'un ordre paladin. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est un prêtre maintenant. C'est un prêtre maintenant qu'il est mort en fait. D'accord, ok. Voilà. Sympa, on a ici, pour la petite anecdote aussi, les prêtres du clan Sombrefer. Avec la tête de Nefarian, qui est toujours empalée, qui n'a toujours pas pourri avec le temps, ça va faire 10 ans qu'il est mort maintenant. Ouais, effectivement. Bien conservé, ils ont piqué de bonnes astuces aux Égyptiens, les nains sont refaire. Clairement. On va aller dans la salle d'ombre qui est pour le moment encore un peu vide. Hein. On peut se demander ce qui s'y passera. Pour le moment, on ne sait pas trop. Il y a une sorte d'incantation. Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de ritualistes, tu sais, autour des bougies qui invoqueront peut-être les pouvoirs d'un arou d'ombre. Qui sait ? En tout cas, toute la salle est entourée de vide. On peut le voir sous vos pieds. C'est une ambiance très particulière. Je pense qu'avec une petite musique un petit peu sombre, ça peut être vraiment sympa. Exactement. Alors en face, on a l'opposé, la salle de la lumière, j'allais dire le temple, la salle de la lumière, pour eh bien, représenter cette dualité qu'il y a chez le prêtre entre ombre et lumière. On voit d'ailleurs des PNJ qui se baladent avec plein d'ensembles d'armures différents. On a ici T3. Le T3, très très rare à l'époque. Peu de gens avaient accès au T3 qu'on retrouvait dans Naxxramas. On a d'autres sets également. On a un prêtre un peu plus à poil de ce côté-là. Ici, on a, si je ne m'abuse, le T5, Zotaria. Ouais, c'est du T5, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est pas les bonnes couleurs, mais... Mais le modèle était 5. En tout cas, direction maintenant la salle de la lumière, où on y voit déjà un Naru, donc les êtres de lumière. Et ce Naru nous donnera très probablement des quêtes à réaliser. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Donc voici pour la salle de la lumière. On constate que les domaines ne sont pas tous de la même taille. Certains domaines de classe sont très grands, vastes. Le druide, on ne vous a même pas montré toutes les salles pour ne pas trop s'attarder dessus. Le prêtre est quant à lui déjà
bien plus exigu. Voilà, j'allais dire de taille plus modeste, mais après, le druide, c'est, tu vois, ça se transforme en animal, ça voyage, etc. Le prêtre, au contraire, il est dans le temple. Et je pense que ça va être assez stylé. Peut-être que d'autres salles s'ouvriront, on n'en sait rien. En tout cas, il y a quelques alcôves qui sont présentes dans lesquelles il y a peu de PNJ. J'espère qu'il y en aura de nouveaux pour rajouter un peu de vie à ce lieu. Et tu peux aller aussi améliorer ton arme artefact. On peut aller à l'hôtel hein, pour vous le présenter. C'est ici que vous viendrez eh bien, progresser dans l'arbre de talent de votre arme prodigieuse. Voilà, c'était tout pour le domaine de classe du prêtre. On va terminer par celui des chamans. Mes chers amis, on est au Maelstrom, le cratère d'Azeroth, là où le puits d'éternité a été détruit. Là où Eldemort a été vaincu, un endroit important dans l'histoire d'Azeroth. Emblématique où se concentrent tous les éléments et c'est naturellement que les chamans sont venus établir leur domaine de classe. Alors là, on n'est pas encore dans le domaine de classe, on est sur un petit promontoire, ne tombe pas, c'est glissant, sur lesquels on se bat au début quand on arrive au Maelstrom, on est attaqué par la Légion Ardente et on doit repousser leurs assauts avant de pouvoir pénétrer dans le cœur d'Azeroth, qui est le sanctuaire des chamans. On le voit hein, juste là, face à toi. Les vagues qui frappent notre domaine de classe et on va y pénétrer. Et bien sûr, qui dit chaman dit élément. Il y a les quatre éléments qui sont représentés ici même, la terre, et on va voir les différents éléments. Avec... Donc là, devant, on a la terre hein, qui est représentée. Déjà, on est dans une grotte, le feu. Le feu. Avec... cette espèce de boule de magma. On a les chamans du cercle terrestre que vous avez pu rencontrer au cours de vos quêtes dans toute l'histoire de World of Warcraft qui sont présents. Alors vous vous êtes peut-être posé la question, cette carte, c'est la carte qui vous envoie dans les différentes zones de quêtes. Alors on a pris toutes les quêtes, je vais en abandonner une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, tac. Voilà, vous choisissez en fait la zone dans laquelle vous voulez aller quêter, puisque dans Légion, il y aura, je crois, trois zones de quête. Trois zones de quête de départ, si je ne me trompe pas. Donc, on pourra choisir là où on veut commencer à quêter. Et les zones vont s'adapter à notre leveling, évidemment. Exactement. Donc ça va être très sympa, ça permettra déjà de désengorger à l'entrée de Légion. Tu sais, d'habitude, tu avais une quête que tout le monde essayait de faire et ça repopait pas et c'était trop chiant et tu n'arrivais pas à leveler. Là, ça devrait répartir un peu plus la charge des joueurs. Et puis aussi, les joueurs qui ont tout de suite envie d'aller explorer, par exemple, Auroch pourront y aller ou Valshara, enfin bref. Que sais-je, on voit qu'il y a des sujets, mais pour l'instant, on n'en connaît pas grand-chose. On connaît pas grand-chose dessus. On connaît leur nom et leur identité, on a vu des sujets intéressants, mais on ne sait pas dans quel cadre on pourra les utiliser. Alors, continuons notre visite, le petit portail pour rejoindre Dalaran. Et là, à la droite, on a le Maelstrom avec vraiment battu par les flots. Oh, tiens, bonjour Rhaegar, le héros du Nexus. Voilà, petit clin d'œil à Heroes of the Storm. Bon, à la base, c'est un héros hein, de Warcraft, mais héros du Nexus, ça fait référence à Heroes of the Storm. Clairement, et d'ailleurs, dans la quête, pour avoir cette arme, l'arme élémentaire, j'ai dû, en compagnie de Rhaegar, affronter Shen et Lily pour savoir qui était le plus fort du Nexus. D'accord. Voilà, c'était assez rigolo. Alors, voilà, donc là, on sent que c'est battu par les éléments. Les chamans, c'est pas des... Ils se mettent pas à l'abri, quoi. Ils sont vraiment en communion avec les éléments. Une salle dédiée à l'air. Éléments que maîtrisent également les chamans. Donc encore un petit peu vite pour le moment, à mon avis, ce sera encore peaufiné. On a eu des petits totems qui éclairent notre chemin. Et c'est vaste, sympa. Hein. On retrouve la salle dédiée à l'eau, le troisième élément. Et on va terminer... c'est le quatrième. Non, c'est le dernier, puisqu'on avait vu la terre au tout début. Et on peut terminer en allant sur le promontoire au-dessus du Maelstrom pour... améliorer notre arme prodigieuse. On voit les vagues qui ne cessent de frapper. Et on a gagné de la puissance d'artefact. Non, en fait, je crois que c'est le joueur, en fait. Tu vois ce que les joueurs gagnent, c'est d'accord, marrant. D'accord, trop drôle. Faux espoir, donc c'était un faux espoir hein, pour le domaine. J'allais de la dire, trop chouette, j'ai gagné de l'expérience sans rien faire, et non, pas du tout. Alors, voilà, quand vous voulez améliorer votre arme, vous êtes au sommet d'un promontoire, vous êtes sur le Maelstrom, et voilà. C'est très joli. On va terminer cette vidéo par un petit bonus. Il y a un truc super sympa dans ce domaine de classe des chamans. Il y a un mini-jeu, mon cher Zekaria. Un mini-jeu à base de totems.
On va y aller, on va vous mettre des petites images d'illustration puisqu'on a filmé auparavant quand on le testait. C'est un jeu sympa composé de 5 niveaux qui consiste à allumer et éteindre des totems. Et le but du jeu, c'est d'avoir tous les totems de couleur bleue. Voilà, il y a des totems bleus, donc d'eau, et des totems de feu. Et en cliquant sur un totem, ça transforme tous les totems adjacents et ce totem-là en un totem d'une autre couleur. Donc voilà. En un totem d'eau. Et le but, c'est de remplir, d'éteindre tous les totems de feu. C'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion. Clairement. Il y a 5 niveaux. Le premier est plutôt facile. Les derniers sont très compliqués. Bon, si vous voulez, il y a des solutions sur Internet. Hein. Non, il est très rigolo. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est original. C'est frais. Ça change un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'il y en aura plus. Et ça permet d'obtenir un coffre qui contient des objets qui vous donnent de la puissance d'artefact afin d'améliorer votre arme prodigieuse. Donc c'est très utile. Est-ce que ce sera un mini-jeu hebdomadaire? Une fois par semaine, tu pourras obtenir des récompenses. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans les autres domaines de classe? C'était très très chouette. Bon, en tout cas, on espère que cette nouvelle vidéo sur les domaines de classe dans Légion vous aura plu. Et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle extension de World of Warcraft. Salut, salut!